Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour ce nouvel épisode des Difficiles Aventures. On se retrouve sur une jolie plage. Et oui, après tout le boulot que l'on a fait sur le poste de police, il est grand temps de se faire un petit peu dorer la pilule. Je sais qu'on est de nuit, que voilà, le soleil, le bronzage, tout ça, on peut peut-être bronzer à la lumière de toutes les torches que je posais. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, nous sommes ici sur une plage. Vous avez pu voir la construction en timelapse, enfin la construction, le terraforming, le début du terraforming de la zone. Il reste encore pas mal de travail à faire. Et justement, ici, dans les plans originaux de la cité, tiens, je vous les remettrai peut-être, parce que ça fait un petit moment que j'en avais pas parlé de ces plans. Et puis peut-être que de nouveaux viewers sont arrivés, peut-être que vous aurez de nouvelles idées sur le développement de la ville. Donc oui, je vous mettrai la petite image qui me sert de base dans mes réflexions. Tout toujours est-il que sur ces plans, il avait été proposé qu'ici, il y ait une belle plage, une plage typique des villes un peu américaines, vous savez, en bord de mer, style Los Angeles, Beverly, je sais pas si c'est en bord de mer, en tout cas Malibu, tout ça. Voilà, une plage vraiment typique avec les cocotiers, les petites promenades en bord de mer, les petites cabanes, les petites chaises longues, etc. Donc voilà, c'est pour ça que cette zone-là va être complètement destinée à ça. Alors, ce qui m'embête un petit peu dans la zone, c'est cette rivière. Pour tout vous dire, je ne sais pas trop comment la gérer, donc il va y avoir pas mal de réflexions autour de cette rivière. Elle est trop petite pour être une rivière à l'échelle de la ville, parce que vous voyez là, elle fait quoi? Elle fait, allez, à tout casser, 10 mètres de large. C'est pas très large pour une rivière dans une grande cité comme ça, surtout quand la moindre voiture fait 6 mètres de large, quoi. C'est à peine plus large qu'une voiture, donc c'est pas une très grande rivière, mais il va falloir quand même la gérer. Ici, Greby avait fait un terraforming subtil. Très subtil. Non, plus sérieusement, son idée est pas mauvaise, hein. Je pense qu'en fait il y aura des murs sur le côté. Je pense que ça va pas vraiment être une petite rivière avec les côtés très naturels. Au contraire, je pense que ça va se transformer plutôt en canal. Mon inspiration pour cette zone, ça serait peut-être un petit peu les canaux qu'on voit, enfin je sais pas si c'est des canaux ou des rivières naturelles aménagées, mais en tout cas les zones qu'on voit à Chicago, je pense, avec des ponts très plats, parce que là-bas il y a l'avenue, donc il faudra un pont assez bas. Et puis cette partie-là de la rivière ici qui se transforme en rivière souterraine, qui avait été recouvert par Corfandar quand il avait construit son œuf. Corfandar avait dans l'idée d'en faire une rivière souterraine. Malheureusement, vous voyez, on n'a vraiment pas beaucoup de hauteur sous le sol. Si j'enlève un bloc, hein, on est tout de suite... hop, voilà, coucou. Coucou, coucou. On est toujours à la... on est tout de suite à la surface et ça va pas. Donc du coup, je me disais que soit on va la condamner, cette rivière, soit je vais faire un petit canal tout rikiki, mais qui ne rejoint pas cette rivière là-bas, qui rejoint cette partie-là et qui va se jeter directement dans la baie. Je pense qu'on fera ça. Sinon, pour revenir sur le terraforming, vous voyez que j'ai essayé de faire une courbe beaucoup plus douce que la courbe naturelle. Donc on a trois blocs par rapport au-dessus du niveau de la mer. Et puis ici, là, pour l'instant, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse parce que comme je vous ai dit que j'allais condamner la rivière, en fait, je vais me servir du tracé de l'ancienne rivière pour faire un petit chemin piétonnier. J'ai dans l'idée de le faire, par exemple, avec de la brique. Et puis faire un petit peu d'herbe, vraiment l'image cliché des plages de Californie avec un petit parc à skate à côté, enfin on verra ce qu'on a la place d'aménager. Et puis là du coup ici au niveau où il y a la vraie rivière qu'on va garder et qu'on va aménager, un petit pont pour les piétons, pour les cyclistes, un petit truc sympa. Et puis dans un second temps, mais bien plus tard, enfin pas dans cet épisode ça c'est sûr, on continuera à aménager la plage par là-bas. Et de ce côté là en face, ça restera pas non plus puisque ce sera une petite digue pour protéger une marina. Donc de ce côté là-bas là, on aura une marina avec des yachts, avec des petits bateaux de plaisance, etc. Mais cet endroit là, c'était une plage. Donc les amis, on a beaucoup de boulot, beaucoup de réflexion surtout qui m'attend et qui nous attend. Une dernière chose, vous l'avez peut-être vu un tout petit peu dans le timelapse, mais ça je pense pas que je vous le montrerai en cinématique parce que ça risque de rien donner
en vidéo puisque ça se passera sous l'eau. Ici, la pente, la courbe est beaucoup, beaucoup trop abrupte. Il va falloir travailler ça sous l'eau. Alors voilà, vous voyez comme c'est un peu galère pour adoucir cette pente parce que. Enfin là, on voit rien. Bon, il fait nuit. Non, vous voyez rien sur la vidéo. Mais c'est très profond et très vite, beaucoup trop vite. Donc l'idée, c'est de faire une pente vraiment très douce. Et du coup, il va falloir, bah voilà, construire d'abord une couche de bouse ou de pierre ou de ce que vous voulez, un truc solide. Poser du sable dessus, faire des jolies courbes, voilà, pour avoir une plage qui va un petit peu plus doucement au fond. Il n'y a pas besoin non plus d'aller mettre des centaines de blocs, mais quand même, ça représente un sacré boulot. Mais je trouve que ça sera beaucoup plus réaliste d'avoir une plage en pente douce que d'avoir une plage dans laquelle les enfants vont se noyer en ayant fait un pas, quoi. Donc voilà l'idée. Donc aujourd'hui c'est très la plage. En cette saison d'automne, ça nous rappellera un petit peu le soleil, un petit peu l'été. Et donc je vais continuer à aménager ça. Et puis comme d'habitude, on se retrouve un petit peu après pour voir l'aménagement de la zone. À tout de suite, les amis.
Est-ce qu'on est bien sur la plage? Au soleil, en train de se reposer, après tout le travail accompli, les amis. Ouh, il y en a eu du boulot. Alors j'espère que le timelapse vous a plu. Voici donc la plage, voici la jolie plage que vous avez vue se construire petit à petit. D'abord il a fallu fignoler un petit peu le terraforming, il a fallu faire les fonds marins, installer les bords de la rivière, les palmiers, et puis enfin toutes ces petites serviettes, ces petits parasols, etc. Donc j'ai voulu éliminer toutes les torches. C'était quand même un des aspects que je désirais voir sur la plage. Pas de torches. Du coup, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de serviettes. Et elles sont assez éparpillées sur la plage. Parce qu'il fallait de l'éclairage partout. On part là-bas, comme je vous l'avais dit au début de l'épisode, on n'aura pas le temps de le faire, même si j'ai avancé un petit peu. On se garde ça pour un prochain épisode. Hein. On a le temps de toute façon, on a de quoi faire. J'ai mis pas mal de chaises longues. Alors j'en ai mis beaucoup en acajou et en bouleau. Et puis j'ai mis des parasols en chêne noir. Je voulais faire du contraste entre les différents bois. Il y a même des parasols que j'ai essayé de faire un petit peu différemment. Vous voyez, celui-ci est en biais. Par là-bas, j'en ai fait un aussi un peu différent pour faire de l'ombre sur plusieurs... voilà, il est plus grand. Sur plusieurs chaises longues. Voilà. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Pareil pour les palmiers. J'ai travaillé le design en créatif et je suis assez content du rendu. J'ai fait des palmiers qui essayent d'être assez variés. Il y en a certains voilà, qui sont très courbés, d'autres qui sont un peu plus droits, mais ils sont quand même tous un peu tordus. Et puis au niveau du feuillage, j'ai en fait une... voilà, là on voit bien. J'ai une structure un peu en étoile. Et du coup, je trouve que ça rend assez bien. C'est assez... ça pendouille un peu, mais ça fait bien cocotier ou palmier, c'est selon... Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Pour l'éclairage dans la partie herbe, j'ai utilisé la technique que vous m'aviez conseillée autour du poste de police. D'ailleurs, je l'ai fait autour du poste de police. J'ai mis donc de la lumière sous des carpettes vertes. Et c'est vrai qu'une fois que c'est au milieu de la végétation, ça se voit pas trop. Et ça camoufle bien la lumière. Donc c'est plutôt sympa. Et j'ai pas fini. J'ai pas fini toute cette zone de parc, mais je crois qu'on n'aura pas le temps de tout faire dans cet épisode. Comme d'habitude, j'ai des projets assez grands. Donc là, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se faire un petit supplément. Ce que devraient avoir, je pense, toutes les zones, toutes les plages, comme ça, tous les bords de plage. Alors du coup, j'ai besoin d'un petit peu plus d'espace avec les... comment dire, avec les dalles. Ah, quoique, mince. Ah, j'avais pas pensé à ça. Les dalles vont m'enquiquiner. Les dalles vont m'enquiquiner parce que elles sont en position basse. Et pour ce que je veux faire, j'ai besoin d'une surface qui soit pas en position basse. Et bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un petit peu de relief. Ici, on va abaisser tout ça. On va se faire ça vite fait. Et voilà, du coup, on a un petit espace qui est pas trop mal. Je pense que là aussi, j'abaisserai du coup, mais je ferai ça plus tard. Donc, on a un petit espace pas trop mal, qui est un petit peu plus large et qui mène vraiment bien à la plage. Et on va pouvoir faire donc ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà, j'ai pris pas mal de matos. On va avoir besoin de pas mal de petites choses. De toute façon, j'ai mis les coffres juste à côté pour qu'on puisse venir se servir dès qu'on aura besoin. Je vais enlever tout de suite la terre dont je n'ai pas besoin et qui risque de m'enquiquiner. Ça aussi, voilà. Alors, vous allez deviner très rapidement ce que je vais faire. On imagine qu'ici, donc, il pourrait y avoir un véhicule qui se serait approché. Non, là, il est un petit peu trop en plein milieu du passage. Et j'ai posé ma cisaille. On va le décaler un petit peu. Du coup, il faudra peut-être agrandir un poil. À voir. Peut-être par ici. Ça sera peut-être mieux. Non, c'est trop proche. Voilà, comme ça. Non, on va le décaler encore. Important le placement, hein, parce qu'après, une fois qu'il sera mis,
On pourra plus le déplacer, donc il vaut mieux le placer tout de suite. Du coup, ça, il faut qu'on pousse. Voilà, et puis on va. Bah, du coup, j'aurais pas dû reposer ce que j'ai posé tout à l'heure. On va garder ça. De toute façon, j'en ai encore, c'est pas un souci. J'avais prévu large. Ouais, on va faire un truc comme ça. Hop, hop, hop. Donc ensuite, et oui, parce qu'il s'agit d'un véhicule, il lui faut des roues classiques. Ensuite, on va faire une base en quartz. Oui, parce que le quartz, on en a plein. Non, je plaisante, j'en ai jamais assez du quartz. Mais c'est surtout parce que c'est blanc. Ah, et vous voyez, du coup, là, ça fait trop proche encore. Il faut encore décaler un peu, donc je pense qu'on va même décaler carrément comme ceci. Voilà. Quitte à redonner un petit côté arrondi comme ça. Mais il nous faut laisser un peu de place. Voilà, faudra que je voie pour l'éclairage du coup, parce que j'avais fait exprès de mettre en position haute pour qu'on n'ait pas de soucis d'éclairage, mais en fait, on va avoir des soucis d'éclairage. Ensuite, des petits escaliers. Donc, hop, par ici, par ici. Je vais garder les dalles. Ça peut permettre de faire des blocs pleins, donc on va les utiliser de cette manière-là. Escalier, 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 bloc plein, bloc plein, hop, 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 voilà, au niveau du toit, je crois que c'est un truc comme ça, ici on a un petit truc un peu différent, donc je dis pas de bêtises, puisqu'on est à l'arrière du véhicule. On va avoir quelque chose comme ça. Ici, bloc plein, bloc plein. Et j'ai déjà plus de dalles. Oh, on va en refaire. J'avais pris des blocs pleins, mais je préfère en faire des dalles, en fait. Parce que j'en ai plus besoin. Donc, bloc plein. Ici, on va mettre un escalier dans ce sens-là. Bloc plein, bloc plein. Alors du coup, pour le toit, je crois qu'en fait, ici, j'avais décidé de faire autrement. Je crois que j'avais décidé de faire une espèce d'aileron ou de choses comme ça. Ouais, ouais, c'est ça. Hop. Comme s'il y avait une évacuation pour du gaz ou quelque chose comme ça. Voilà, j'ai besoin d'une loupiote qui va faire ma lumière. Impeccable. Vous commencez sûrement à deviner ce que c'est, hein. Ouais, je peux pas le savoir parce que bah forcément la vidéo, quand je tourne, vous me parlez pas, mais... Hop. Par contre, du coup, je peux plus sauter. Alors, j'ai encore besoin d'accéder au toit parce que finalement, ici... Voilà, je vais mettre un truc comme ça. Hop. On est pas mal du tout. Alors ensuite, il me faut un petit peu de vert rose, un petit peu de laine rose. Là, j'avais déjà pris de la laine bleue, ça c'est bon. Des ficelles, des leviers, des portes. Et les boutons, je les ai déjà. Item frame, j'ai déjà pris. Donc, ah, et puis, si, il me faut de la redstone. Alors, voyons voir ça. On va se mettre... Les phares. Ah, j'ai pas pris les... Oh, c'est pas grave. J'ai pas pris les pancartes pour faire les plaques d'immatriculation. Non. Ça, j'aime pas ça du tout avec les item frames quand tu... Voilà. Quand tu vises dessus, mais que ça prend pas en compte que tu vises dessus. C'est pénible. Alors, du coup, à l'intérieur, on va mettre les portes, les
porte. Quoique celle-ci, je vais la mettre dans l'autre sens. Je vais la mettre. Voilà. Comme ça. Les poignées de porte. Tac. Même s'il n'y a pas de porte ici, c'est pas grave. Ensuite, j'avais prévu des petits leviers. Voilà, en voici un. Ici, on referme. On va mettre les vitres. Bien flashy, bien rose. D'ailleurs, en parlant de rose, eh ben, on va continuer à en mettre. Cette fois-ci avec un petit peu de bleu. On va faire rose, bleu, rose. Ici, rose. Ouais, c'est très très flashy. Mettons maintenant la petite ficelle. Alors, jusqu'où va-t-elle aller? Je crois que c'est bon, je crois que c'est ce que j'avais prévu, mais un petit peu plus long. Ouais, il se place plutôt bien du coup, notre petit camion. Alors là, c'est de la précision pour viser. J'aurais pu monter sur le toit, ça aurait peut-être été plus simple. Mais bon, on s'en sort. Eh bien écoutez, c'est pas trop mal du tout. Donc j'espère que vous aurez reconnu notre ami le camion de glace. Pour la plaque d'immatriculation, on va faire comme la dernière fois. Ça avait plutôt bien marché et vous aviez apprécié. Donc je vous propose de nommer vous-même la plaque d'immatriculation de ce magnifique camion de glace. Il reste juste un petit détail à lui faire, mais regardez ce petit camion de glace qui est parfait, très bien placé juste à côté de la plage pour servir les petits-enfants et les grands-enfants qui auraient envie d'aller à la plage et de manger une bonne glace sur le sable. Il reste juste une petite chose à faire, donc je vais avoir besoin de bâtons. On va se faire une bannière et j'ai trouvé un design plutôt sympa. Allez, j'en fais plusieurs parce que je les dupliquerai pour en garder une trace. J'ai besoin de colorant, j'ai besoin de laine. On va reposer des trucs qui ne me servent plus à rien. Je crois qu'avec ça, non, j'ai besoin du colorant rose aussi et du colorant bleu. Voilà, je crois que j'ai tout. Donc, tac, 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 on va se faire un petit truc marron. Pousse-toi. Ensuite, j'ai besoin d'une bande rose au dessus, d'une bande marron. Ensuite, on va refaire un cadre bleu autour. Et pour finir, on a besoin d'un petit truc, je sais pas comment ça s'appelle, mais d'un losange de tanné, c'est ça? Non, d'une bordure cannelée d'azur clair. Et maintenant, on va dupliquer notre bannière et regarder un petit peu. Je trouve que ça va rendre plutôt pas mal. Tac! Eh oui! Le glacier a sa bannière. Et on va le mettre aussi de l'autre côté. Bon, on va faire plaisir à Juju. On va éviter de mettre trop d'items frame. Mais voilà, notre petit glacier est prêt. Et je trouve ça plutôt cool. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc ça fait... On peut rentrer à l'intérieur. Il n'y a pas grand-chose du coup. Alors, non, on peut rentrer. Donc il faut réussir à appuyer. Voilà. Ah, j'ai pas mis de siège. Bah écoutez, on va mettre un siège en... Enfin, ah ouais, par contre, si je fais ça, je peux plus sortir. Ouais, bon, je le ferai hors caméra. Je rajouterai un siège. Et. Ah oui, par où on sort? Bon, on va sortir par là. Oui, c'est pas très pratique. Bon, j'aménagerai l'intérieur. Je rajouterai des petites choses. Ceci dit, je peux rajouter un bouton ici. Voilà, ça permettra d'ouvrir la porte. Voilà, ça fonctionne. Et puis de l'autre côté. Un petit bouton ici, voilà, ça fonctionne aussi. Bon, attention, donc pour faire plaisir à Juju, on met pas trop d'entité, hein, parce que ça en rajoute quand même à chaque fois beaucoup trop. Mais ça donne bien et ça rajoute du détail.
Donc voilà les amis, et bah écoutez, je pense que cet épisode va s'arrêter là. Pour l'instant, la plage n'est pas tout à fait finie encore, j'ai plein d'autres idées, je vous avais parlé d'aménager des cabanes, etc. On aura plus de place pour le faire de l'autre côté, je pense. Et puis, j'ai plein d'idées aussi pour cet endroit-là, j'ai déjà conçu des petites choses en créatif, mais si je le faisais maintenant, l'épisode durerait trop longtemps. Donc, on va se quitter ici. Merci beaucoup de m'avoir suivi, n'hésitez pas à donner votre avis sur la plage, sur le cocotier, sur le petit camion de glace, et je vous dis rendez-vous très bientôt les amis pour le prochain épisode des Difficiles Aventures. Salut salut !